Et lui les gens, bienvenue sur frappstage.fr, sur mon blog itisan3.fr, on se retrouve ici pour une nouvelle vidéo, une nouvelle rediffusion de live sur le jeu, donc Animal Crossing New Horizon, donc sur Switch, c'est-à-dire sur PC, parce que j'ai l'impression qu'on joue sur PC, mais on est toujours sur Switch, et on revient, donc salut, c'est Tom Nook, il est 1h03 en cette belle nuit du non moins beau mardi 2 novembre 2021. Voici un bulletin spécial pour ceux qui font rimer vie insulaire avec ce coucher tôt, pourquoi faire? Comme je disais hier, le bureau des résidents est fermé aujourd'hui pour cause de travaux. Je suis navré pour le désagrément, mais je vous promets que ça en vaut la peine. Un peu de patience. Voici les informations du jour. On m'a récemment signalé la présence d'un individu suspect voguant dans les environs. Il semblerait que ce lustique se livre à la vente d'antiquités et d'œuvres d'art parfois douteuses. Comme quoi, il faut toujours regarder où on met les clochettes. Méfiez-vous des vendeurs inconnus. Ok. Donc il m'avait prévenu qu'aujourd'hui ce serait fermé. Pardon, je souffle en gros dans le micro alors que je voulais enlever les poils de chat sur ma manette. Voilà. Reste pas en temps. Oui, bien sûr. Non, mais si. Et bonne nuit du couloir, c'est alcoolique. Repose-toi bien. Attention à tes clochettes. Non, on va pas y dépenser. On va aller voir qui c'est. On va dire, est-ce que tu veux me donner quelque chose? Je vais dire non, c'est interdit. Je refuse de t'acheter quelque chose pour l'instant. Par contre, je rappelle jamais qu'il y a un temps de chargement qui arrive après... Ouh, vous avez reçu de nouvelles choses. Ah, ton téléphone sonne. Gaston, il y a le téléphone qui... Non. Allô, c'est moi, Mélo, de la boutique Nook. On a effectué un virement de 19 576 clochettes pour ce que tu as laissé dans la boîte au dépôt. Merci de ces services, à bientôt dans notre magasin. Donc Nook, programme Max Nook. Très cher Itim, nous te remercions d'utiliser Nookstop régulièrement et d'être fidèle au programme Miles Nook. L'article demandé via votre service d'échange est intégré à ce message. Merci. Cher Itim, la banque Nook est heureuse de veiller sur ton épargne. Merci pour ce témoignage de confiance. Nous avons le plaisir de créditer sur ton compte, à titre d'intérêt mensuel, la somme de 27 clochettes. What? Mais j'ai pas d'argent sur mon truc. Pourquoi j'aurais de l'argent? Qu'est-ce que c'est que cette arnaque? Depuis quand j'ai de l'argent sur mes comptes? Quoi ça? Ah, mais c'est vrai que j'avais plus de place. Kit coque, ah oui, le kit coque personnalisable. À quoi ça sert? Vas-y. On va pouetter du fossile. Tom Nook Balkany qui t'escroque depuis le début du jeu et qui te dit ça, bah ouais. Mais c'est du commerce, c'est pas de l'escroquerie. Ne confondons pas tout. Ne mélangeons pas les torchons et les serviettes. Je suis même pas sûr que je serais capable de faire la différence. Non, si, je serais capable de faire la différence, en fait. Si on parle de serviettes de bain, par exemple, oui. Tiens, tu as déterré un fossile. Il faut que je me tienne droit aussi. Ce serait bien que je me tienne droit. Qui gratte. Quoi ça? Ah, tu as été un fossile. No Nut November, non. C'est pas ce que c'est, baby. Oh, j'en ai déjà entendu parler l'année dernière. Et comme je suis une grosse quiche, j'oublie tout au fur et à mesure. Oh, des champignons. Mais oh, de moi. Tac, tac, tac. Les champignons sont de sortie. Attends.
Qu'est-ce que je fasse tous ces champignons là? Attends, non, j'aurais peut-être dû aller voir là-bas d'abord. Pas des recettes à base de champignons? Oui, monsieur Catholise, mais. Monsieur, je sais plus. Je me dis que pour l'instant, il n'y a pas d'habitants. C'est la forêt vierge ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Il va falloir que j'aille voir, dis donc. J'ai rien vu là-haut. C'est toi le Jean Gérard? Elle peut casser l'échelle ou pas? Arrête de déraciner mes semblables. Rien fait? Ah, c'est de la mauvaise herbe? J'ai rien fait, j'ai pas tué d'arbre pour l'instant, je suis innocent. Tu me racontes une. J'en ai déjà un, donc je vais le vendre. Ça fera un peu plus de place. Et ça, malheureusement, j'ai des champignons, mais je vois pas ce que je peux en faire, puisque... Bah, plus de place. Ah oui, mécanique mushroom, punaise, je suis bête. Ah, le mec qui a pas de cerveau, quoi. Et donc, coucou, Senjutsu. Oui, monsieur. Tiens. J'ai bien été sur du sol. Bienvenue dans le musée du bon endroit. En quoi puis-je être utile? C'est pas comme ça qu'il parle. Expertise des fossiles. Oh, que puis-je expertiser pour toi? J'ai les ailes qui frémissent. Oh, bien que cela, intéressant, voyons voir. Oh, je ne vois que des fossiles que le musée ne possède pas encore. C'est une très belle surprise. Tu as un don pour dénicher les fossiles, à ce que je constate. J'espère maintenant que ta générosité sera à la hauteur de la grandeur de notre établissement. Le développement culturel de notre île est une cause dont il convient de ne pas sous-estimer l'importance. Ah, désolé, Senjutsu, c'est pas venu ici qui veut venir. Malgré le café. Va chez Herman. Herman te tiendra plus éveillé que moi, par exemple. Parce que moi je suis très 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 lent, très 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 posé en termes de stream. Herman, le son est beaucoup plus fort et c'est plus dynamique, le chat discute beaucoup. Donc si tu restes éveillé, ce serait plutôt Herman qu'il faudrait aller voir. Lucide, Lucide est pas mal pop aussi dans sa façon de présenter. Dynamique, énergique. Voilà. Je ne veux pas te forcer la patte aussi, je te rends tes trouvailles, mais le musée compte sur toi. D'accord. D'une quelconque autre manière, faire une donation? Oh, formidable, que veux-tu donner? Ça, ça, je crois que j'ai à revendre les champignons, hein. J'ai pas trop le choix. Gentil, Sanjuso. Oh, j'ai ça. Oh, là-haut. Vendre des coquillages, pêcher des poissons, taper sur des pierres. Et coucou, Jadam. Comment vas-tu? Apparemment, j'ai oublié quelque chose ici. Collectionnite. C'est que chaque meuble et chaque tenue que tu peux acheter devient s'ajouter à ton catalogue New Shopping. Mais savais-tu qu'en enrichissant ton catalogue, tu peux gagner des miles maintenant? Oui. Paf, et 200! Ça commence à faire. Donc, je crois qu'il faut que j'aille vendre 3-4 coquillages.
Donc on y va de ce pas, il va falloir qu'on pêche d'autres poissons bien sûr aussi. Un peu de place. Et bonjour, je cherche un coquillage. Merci. Il y a un truc à faire par là. Quelque chose qui me plaît bien. Oui, je veux vendre. Des coquillages. Ah, tant pis, je vais vendre des champignons. Peut-être la pire idée du siècle, mais je vais les vendre quand même. Je peux pas garder mon dans mon inventaire alors que j'ai déjà si peu de place. J'ai combien en dessous là? Moi j'avais perdu autant d'argent. 50 990. Je suis pas censé gagner 28 000 ou un truc comme ça. Et hier j'ai claqué plein de sous pour acheter des bonbons et trucs comme ça. Ah peut-être que j'ai claqué plein de sous pour apprendre des trucs, c'est possible, oui. Ah ça pique. C'est mal je crois. Et tac, 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 c'est pas très malin. En même temps, si c'était du malin, ça se saurait. Caillou, 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 caillou. Et un écoute de pelle, voilà qui est fait. Ah non, faut que j'en vende 10 des coquillages, mais non, dans un schtroumpf, qu'est-ce qu'ils veulent? Que je pèse des poissons et les revendre, que je les revende aussi? Je crois que c'est la maison de Ruby, ça. Alors, c'est plus qu'à fin octobre, apparemment, ça a été prolongé jusqu'à fin décembre. Oh! Bien installé la dame là. Coucou, il se fait tard. T'as prévu de faire une nuit blanche, Noreille? Mon papote? C'est trop bizarre, les gens n'arrêtent pas de me donner des paquets de mouchoirs. C'est pas bien non, tu vois. Il doit y avoir une raison qui les pousse à m'en offrir. Et du coup, j'ai des paquets de mouchoirs dans mes tiroirs, dans mes armoires, sur les étagères, et même quelquefois dans mes poches. Ok. Tu le dis. Renard. Quand il met une main sur le cœur, c'est que l'autre est dans votre poche. Vos lunettes ont disparu. Renard sacripant, sacripouille, coquet, coquin, renard chenapant, sacripouille, sacré vaurien. Salut par là. Renard. Place. Un escargot. C'est fait. Salut Brakis. Ah je sais pas, je me rends pas compte. C'est possible en effet. Et tu me dis beau le coup. Pourquoi ça raffiche après la moment de... Tu craques monsieur, tu craques. Merci beaucoup pour le soutien encore une fois. Attrapez à la Sergo, bravo, tu as été plus rapide que lui. Je crois que tu voulais te coucher tôt. T'as du mal à dormir. Quels sont les objectifs pour cette île? Je sais pas, je découvre le jeu, donc je me balade droite à gauche. Tout simplement. Et après on passera sur la créa parce qu'il y a des choses que j'aimerais bien changer. Du pognon, du pognon. Du pognon, du pognon. Eh ben j'ai perdu mon appel.
On va se recréer une pelle puisque tout ça est terminé et fermé là pour l'instant. Je vais m'en occuper. C'est ça que je voulais utiliser, je crois. Tu veux quelque chose? Oui, au travail. Il me faut... Tout ça, c'est réalisable, c'est bien, ça. Il me faut une petite pelle, voilà. Comme ceci, au travail, tout de suite. On fasse ça pour gagner du temps en même temps. Donc, il n'y a pas vraiment d'objectif, si ce n'est que j'avance petit à petit, je regarde ce que ça me propose, j'essaie de faire les quêtes, genre de choses. Voir un petit peu. Pour voir un petit peu où ça a mené. Je ne connais pas le jeu. C'est le premier Animal Crossing que je fais. Bricole autre chose, arrêtez pour l'instant. Pas besoin de plus. Hello, it's me, and I was wondering if after all... Il y a un autre... Je vais dire abricot, mais non, un autre escargot. Oh, attends. Le personnage ne dort pas encore ici. Au travail, t'as besoin de quelque chose, Iti? Que tu fais? Ah, tu vas être épaté. J'ai fabriqué une kettlebell. C'est quoi ça? L'autre jour, en randonnée, j'avais fait une cinquantaine de kilomètres et là, j'ai ressenti un éclair d'inspiration. Ou bien, c'était juste une crise de déshydratation. Peu importe, juste du résultat. Hydrate-toi bien. Bricoler, c'est comme une intense session d'entraînement. Et tu sais que j'aime partager mes tuyaux. Alors, ça t'intéresse de t'exercer à ton tour en fabriquant toi-même un kettlebell? Je pense que... Ouais, vas-y, explique. Oui, je pourrais te l'expliquer. Ou alors, je te remets ce papier où j'ai noté tout mon plan de bricolage. Moi, la solution papier me paraît plus simple et plus sûre pour nous deux. J'ai appris une nouvelle recette. Si t'arrives à déchiffrer ton mon écriture, tu devrais très bien t'en sortir avec ce plan broti. Ça valait le coup de lui parler. Ah, d'accord. Super, tu sais à présent fabriquer une kettlebell. Je sais pas ce que c'est. Faut j'aille voir ce que c'est, parce que je sais pas ce que c'est. C'est ça le kettlebell, c'est un poids. Est-ce que je peux vraiment me muscler ou pas? Pas quelque chose pour toi, Broutille? Et voilà. Je grignote en même temps, je suis désolé. Hein. J'ai mis mon assiette, plus ou moins. Enfin, non, pas terminé prêt. On me dit souvent que cette pièce n'est pas équilibrée parce que je pose n'importe quoi n'importe où. Heureusement, mon corps, lui, est parfaitement équilibré. Alors ça contrebalance, Brouty. Si j'ai assez de place, on va creuser sur ce caillou. Mince.
Et voilà. Caillou, garde, enfin fer. Pas récupéré d'or depuis un petit moment quand même, hein. C'est un peu dommage. Viens vous livrer un escargot, monsieur. En quoi peux-je t'être utile? Oh, formidable, que veux-tu donner? Je peux te donner cet escargot. Ah, regarde l'escargot, oh, quelle abomination sur pattes. Là, s'il faut pourtant faire mon devoir. Désires-tu en savoir davantage sur ce spécimen? Vas-y, on va lui demander tout ce qu'il y a, tout ce qu'il y a. Les escargots ne sont certes pas les insectes, mais ils n'en sont pas moins répugnants. Ce sont des mollusques, nés avec une coquille dont ils ne peuvent se débarrasser. Au contraire, elle ne fait que grossir à mesure qu'ils grandissent. Ouh, ce n'est pas léger, crois-moi. Sans doute pour ça qu'ils ont besoin de bave pour se déplacer. Un horrible moyen de transport, bien sûr. Ouf, tu remercies sincèrement de ta donation. Bon, blablabla, on s'en va. On va aller pêcher. Et on est au mois de novembre, donc ça veut dire qu'il va y avoir des choses différentes maintenant, non? Dans les... quand on pêche et tout. Il me semble, selon l'époque, que les choses changent au fur et à mesure. Et voilà. Assiette terminée. On va essayer de faire le tour des différentes réserves de pierres. On essaiera aussi d'aller pêcher. Mince. Loupé. J'aurais mal géré ce rocher là. Le problème c'est que je peux pas stocker grand chose en fait. Si je peux stocker plus de trucs, ça me serait intéressant que je construise plus de bâtiments. Enfin pas de bâtiments, qu'on appelle ça. Zut, il avançait plus au moment où il fallait pas aller. Faire plus de création quoi, mais... Les mains, j'ai été une grosse quiche. J'ai déjà fouillé. Oh, petit poisson. Un gobi d'eau douce. Est-ce que je l'ai déjà vu, eu le gobi? Je sais plus, j'ai un doute. Oh, j'ai oublié ça. On monte par là. Enterré. Ça me va, ça. Un scorpion là-bas, mais non, c'est bon. Pas de bestiole, parce que j'ai soif. Ah, je remonte la fiche perso de Chillax aussi tout à l'heure. Accrade la suite de la bouteille. Oh.
pas la bouteille, mais boire de l'eau. Hop là. Tac, 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 je me suis dit pas bien boire. Oh, que je nettoie le bouchon. Il est carrément. Hop là. Tac, 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 tac. Je ramasse encore des coquillages alors qu'on n'a pas besoin. Petit, 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 viens manger. J'ai raté tous, hein. Pas essayer d'attraper mon hameçon, s'il te plaît. Fais un effort. Pas du tout au bon endroit. Ah. Peut-être que là, il faut le voir. Ah, il l'a vu, il l'a vu, il l'a vu. Bien joué. J'ai pris un poisson ballon. Voilà, le meilleur ami des poissons. Non, des poissons sportifs, pourquoi? Ah! Les poissons ballons, je crois que c'est qu'ils font des pics hein, quand tu les. Quand tu les effraies. Ma famille, il y avait un poisson comme ça. C'était pas empaillé, mais solidifié, ou je sais pas comment ils avaient fait ça. Sec. En tout cas. Et comme ça, là, impressionnant. Voilà. Un peu mieux. Ah, j'espère que c'est un peu mieux. Ah, encore un truc qui me gêne. Alors, tac, 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 ichtyologue insulaire, pièce à gratte. Et 20 sur 20. Voyons voir, ouvrir. Salut mes gars bricoleurs. Et coucou, Oreo Warzone, comment vas-tu? Luigi? Luigi? Oui, c'est Luigi le personnage. J'ai eu un éclair de génie au cours d'une ivresse de coureur. J'ai eu l'idée du bricolage et pas tant. J'ai réalisé dans la foulée ce plan de bricolage. C'est dingue, non? Il ne te reste plus qu'à le bricoler. Napoléon, le bricoleur musclé. Ah, d'accord. Super, tu sais à présent fabriquer une feuille. Une feuille? Une feuille de quoi? J'ai bien, merci. Chope mon hameçon, Gérard. Allez, chope-le. Je sais que tu l'as vu, là. On s'en connaît. Là, je crois que j'ai plus de place. Je n'ai plus de place. Comment je puisse améliorer mon inventaire, ou à, du moins le stockage de ma maison. Ou alors, au pire, je revendrai les objets, ceux que je peux fabriquer ou autres qui m'intéressent pas.
comme le masque de Jaco là tout à l'heure, que je n'avais pas l'intérêt de le garder puisque j'avais un double. Il me semble, au pire, j'ai perdu le masque de Jaco à vie. Je ne vais plus jamais le récupérer. On va d'abord aller au musée. Bonjour l'escargot. J'aime bien comment l'escargot se jette dans le vide, genre non. Il fuit, c'est en roulant. Ouch. Hop là. Ce chat trop mignon. Regardez-le moi comme il... Parce qu'il a décidé de rouler. Comment as-tu, me dit William? En quoi puis-je être utile? C'est toujours la même chose. Ça va bien, de mon côté aussi. Par contre, je vais pas tarder à les deux. Enfin, je ne vais pas ne pas tarder. Ah, ça dit rien. Alors, des trucs là. Voilà. C'est bien ça. Je vois pas là. Des gens, ils sont tous en train de dormir. Ouais, je trouve des visiteurs qui sont nocturnes, vraiment des gens qui. Là, c'est la nuit où je joue un peu plus tôt. Ouais, je vais tarder. Allez me coucher. Le jour s'est levé. Pa-ba-da-pa-ba-da-pa. Et je vais pêcher. C'est bizarre, j'ai pas l'impression que c'est vraiment mieux dans le jeu là. Mince. Par contre, c'est dommage que je peux pas. Bah, du coup, je peux pas faire la suite. C'est un élément qui me manque, j'ai pas assez de personnages qui vivent à cette heure-ci dans la ville pour pouvoir faire quelque chose. Quelle idée aussi. Oh, tu l'as vu, je le sais que tu l'as vu. Bouffe-le! Et voilà. Et une deuxième. Je crois que Ligion l'avait déjà montré au mec. Ça. Attends, est-ce que dans la bibliothèque je peux voir ça? Non, c'est pas encore au musée, Ligi. Je la ramène au musée, du coup. Est-ce qu'on a une place? Il me reste un petit peu de place, donc si je peux pêcher un poisson sur le trajet... Oh, il faut y avoir un gros poisson par ici. On tirait le sud. Faut que j'arrête avec cette musique. Ah, je suis trop nul. C'était pourtant bien. Hein.
Allez hop. Je dis qu'on a une petite session une fois par jour. C'est 35 minutes qu'on est en train d'y jouer, on est large. On va pouvoir à chaque fois récupérer ce qu'il faut pour avancer un petit peu dans le jeu tous les jours. C'est un peu bizarre comme phrase, hein. Ça veut rien dire. Ou alors ça veut tout dire, c'est merci Captain Obvious, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? De porte-manteau. Quoi la con, tu vois ce que c'est? C'est Bigou, Bigou, pardon. Là, c'est la vie quand même, on va pas se mentir. Mais bonsoir, maître Saris. Comment vous portez-vous ce soir? On avait oublié que c'est férié hier, hein? Ça roule bien de mon côté. Petit chez toi, petit chez toi, c'est tout petit! Il manque plein de trucs cool, genre des meubles intéressants, etc. J'ai fait la même, hein. Je regarde le suivi des colis, je me dis bah pourquoi ils livrent pas aujourd'hui? Et là sur un autre site de livraison, je vois jour férié, je fais non. Mais c'est de la mouise! Depuis quand ça existe les jours fériés, hein? Bande de feignasses qui travaillent pas. Oui, il y a des gens qui travaillent jour férié. Merci, monsieur William. Williams. Respectons les pseudos aujourd'hui. Williams. Mélodie Williams. Tu peux entendre quand tu montes ton pseudo être déformé, là. Ceci est un non-respect des droits d'utilisation de l'utilisateur. Voilà. On dirait le sud. Où j'arrête avec cette musique? Ma chérie n'en peut plus l'entendre. Elle tourne en boucle chez moi continuellement. Ah, pas la musique. Oh! Dis donc. Aurais-je raté un fossile ici? Mais oui! Caché dans un coin là. Ma foi, cette proposition n'est pas bête. Mélodie. Alors je t'appelle Williams. Williams, sort hein. Non, c'est nul ça. Je
je vois que Mélodie joue à nous. Oh punaise. Le barbare. Oh, quel humour. Oh, que c'est extraordinaire. Je ne m'y attendais pas à cet humour-là dans un Animal Crossing. Regardez qui voilà, un autochtone. Enchanté, on m'appelle Runard. Je suis vendeur itinérant. Et tu es... quel chouette nom. Ça sonne intelligent, puissant. Je sais déjà qu'on va s'entendre à merveille. Tu sais, mes clients sont un peu ma deuxième famille. Iti, c'est un plaisir de faire ta connaissance, Iti. Bon, moi, il est brossé dans le sens du poil, mais tu m'as l'air de t'y connaître en art. Sois pas surpris, je sais reconnaître un amateur d'art quand j'en vois un. Et je crois-le ou pas, mon intuition me dictait de venir ici avec une toile puissante. Je sais, quelle coïncidence. C'est sûrement le destin. Je suis prêt à te la vendre à toi. Ma famille a un prix défiant toute concurrence. Que dis-tu de 498 que j'ai de cela à faire? Alors, c'est oui? Ben, non, c'est non. Enfin, elle est forte, tu connais la vraie valeur de cette... Ah, je vois. Tout est écrit. Tu fais pour ainsi dire partie de ma famille. Tu pourrais être mon cousin. Alors écoute bien. Je vais te faire profiter de mon avantage cousin, marque déposée et brevet en cours. Pour 4980 clochettes, tu peux être l'heureux propriétaire de ma chère toile puissante. Qu'on peut t'en filer très bien, soit c'est ton choix. Sache qu'une offre comme celle-ci risque de ne jamais se représenter. Es-tu sûr de vouloir passer à côté? Garde tes clochettes, je comprends. Prends le temps de réflexion et reviens me voir si tu changes d'avis. Où je mette un bouton pour que vous puissiez valider des blagues. Il y a un bateau ici. Qu'est-ce que c'est que ce bateau? À qui est-ce qu'il appartient? Il semble à peine capable de prendre la mer. Mieux vaut ne pas y monter sans permission. À qui est-il? Je trouve qu'il y avait un truc trop cool à trouver ici. Ah, toi je te tire. Hop, le cerveau qui encore une fois se barre à une vitesse folle. Ah, c'est le bateau de Runard, d'accord. Donc sa famille, mais j'ai pas remonté dans son bateau, ok. Je vois. On va laisser les trous, on va l'entourer de trous, il pourra plus bouger. Runard, chenapan, sacré. Il vaut rien. Et que l'autre est dans votre poche. J'aime adorer la musique de générique. Je crois qu'on a à peu près fait le tour, hein, sachant que j'ai un inventaire bien plein. Ah non! Dommage. Bon, c'est déjà pas mal, hein, mais dommage. Toujours le même truc, hein. Même pas aller chercher des modèles de trucs à récupérer là. Je peux rien dire ce que je raconte, c'est magnifique. Voilà, pour pouvoir vendre tout ça. 1h48, on va jusqu'à 2h je pense, et après on fera une petite pause. Oui, je vais vendre. Peut-être même qu'on va la faire tout de suite, ça va dépendre. J'ai mis un petit truc en plus, ça c'est bon. Faut que je mette à jour d'ailleurs les cartes de sub. Toi. Passe ton texte parce que t'es pas intéressant, expertise des fossiles, voilà.
Celui-ci, s'il te plaît. Ce fut un raté. Et alors, bon. Ah, oh, un australopithèque, mais... Il s'agit d'un fossile marquant encore un... Encore... Majeur qui a... Donc c'est pas une île déserte à la base. L'australopithèque, on est d'accord que c'est pas un singe. Soit déçu le piaf, c'est bon. Au revoir. Mais non, mais je suis bête, je suis en train de me dire, mais elles sont là où les manettes de la Switch, mais je suis encore sur la Switch. Un ancêtre humain, ouais, c'est bien ce que je me disais. On va tenter un truc. Il s'est bien fait là. C'est déjà les fabriquer, mais j'ai envie de tenter de lui en offrir un. Pour Frodon. Un gamepad sauvage. Pour voir. Bienvenue à tous, c'est le joli papillon. C'est bien ça qui est écrit. Oui, c'est bon. Comment ça va là-dedans? Comment c'est passé? Qu'est-ce que tu faisais de beau? J'ai pas trop regardé ta chaîne avant d'arriver. Du coup, je ne sais point. Ça veut dire que là-haut, la non, est là. Voilà, c'est là. Là, je me suis pris, mais là, c'est bon. Ça, c'est qui ça? Je connais pas et ça m'intéresse pas le jeu. Là, pareil. La non, on évite. Ça, on laisse. Ça, on laisse. Taf, il a fini. Yasuo est toujours en stream. Le Centuria. Video Game, apparemment, il a terminé ou alors il a planté. Herman, Lucille, Monk, Vexios. Nensha. Sakura. Wamia qui lance son stream. Il me manquait du monde, dis donc. Dizdek. Ah, normalement, on a vu tout le monde. Et Hercule Poirot et j'ai fini sur Riders Republic. Ah, et il vaut quoi du coup le Riders Republic? Je regarde pas, je suis triste. Bon, on est passé, enfin, on, je ne suis pas assez de voir vite fait, mais j'ai complètement oublié. Je me souviens de cette barbe. Et c'est tout. Voilà, je, étant jaloux. Voilà. Voilà. Salut Fabulous. Je sais pas, non, j'ai pas pu voir si les problèmes de son étaient résolus, on est pas retourné sur Far Cry aujourd'hui. Donc, ce type, j'avais essayé je crois, non, pas justement, peut-être que je l'ai pas essayé ce type encore. Et je snowboardais tout, ou c'était varié, je sais plus. Le dernier jeu qui m'avait moi pas mal plu au niveau des trucs de snow, etc, c'était SSX sur PS3. Et avant ça c'était... Sean White Snowboarding, je crois. J'avais trouvé très cool à l'époque. Peut-être parce que je jouais pas beaucoup à ce genre de jeu. Arrêtez pour l'instant. Améliorer ton score, c'est un front romantique. Forcément, je prends du retard là.
Alors, tiens, Iti, t'as de retour, Brouty, c'est chouette. Parle-moi d'un truc, c'est pour toi, c'est pour toi. Tiens, c'est quoi ça? Tiens, je t'ai fait fabriquer un kettlebell. Eh ben, ça alors! Kettlebell. Merci beaucoup, c'est tout à fait le genre de choses que j'adore. Tu l'as mis dans le mille. J'ai hâte de l'installer chez moi. C'est parfait, je cherchais une bonne raison de soulever et déplacer les meubles, Brouty. C'est le moment où ma gratitude va pouvoir montrer ses muscles. Pour te remercier, voici un débardeur basketball, Brouty. Le pire, c'est que je peux même pas le ranger. Je ne peux même pas le ranger. Que je connais pas du temps, comment ça? Pour Frodon. Mais Wamien, je voulais lancer ta chaîne. Wamien, s'arrêter si tôt, quoi, à la reprise. Non. C'est interdit, ça. C'est quoi, cette façon de faire? Merci quand même pour le raid. Oh. Ah, attends, raid. Wamien, du coup. Wamien. 54e raid de la part de Wamien. Non, c'est pas ça du tout. Je voulais faire ce que j'ai effacé une ligne sans le vouloir. Réinitialiser. Nous sommes le 02. 11-2021, et voilà. Qu'est-ce que je peux faire, moi, du coup? Là, de toute façon, donc... Bon, en attendant... Nintendo numéro 10. J'avais pas vu qu'on pouvait déplacer la caméra, c'est quand même vachement plus cool de pouvoir le faire. Un portrait de Jaco à la maison. Pourquoi Jaco? Parce que Jaco Lanterne. Mais oui, mesdames et messieurs, mais oui. Mais tu es au Québec, toi? Je sais plus. Ah non, mais elle a aucun sens parce que je sais pas quoi faire pour l'instant et j'ai pas beaucoup de lieux et mon inventaire est tout pourri. On verra ce que je peux construire par la suite. Du coup, on est bon là? On a fait le tour des pierres, on a fait le tour des trucs. Il est bientôt 2h du matin, donc on va pouvoir couper. Et partir sur du travail un petit peu là, ça serait bien qu'on bosse. Oh! Je pouvais pas dire non à ça. Un arbre pognon. C'est beau. C'est plaisir à voir. Tu le mines dans le noir, attends, phare. Je vais retourner voir du coup Melody Williams. Québec, en tout cas. Par ici, ici. Oh, j'aime bien cette ambiance aussi, là. Je dis qu'il y a des petits éclairages par là. Comme ça, t'as l'impression qu'il y a un trésor qui va... Genre, t'arrives comme ça, tu fais... Oh... Trésor bâti... La lumière est là, et du coup, tu essaies d'aller par là, et en fait, tu fais gris, gris derrière l'armoire, et tu te fais bouffer. J'aime bien les reflets de la dorée de... C'est joli. Voilà, du coup, on va couper la rediffusion ici. On va pas durer très longtemps, moins d'une heure. Et... Bouteille de sirop d'érable ne serait pas de refus. On avait déjà fait de la poutine qui tombe, déjà. Donc ça va bien pouvoir se refaire, effectivement. Et du coup, hop là. Hop, hop, c'est parti. On va couper cette rediffusion, il est 1h58, j'espère qu'elle vous a plu. On sera pas resté longtemps sur le jeu, mais c'est surtout le temps de faire le tour des petites choses qu'on a à faire à droite à gauche dans le jeu. Je crois pas qu'il y ait d'éléments qu'on puisse récupérer dans mon inventaire. Je crois pas qu'il y ait l'autre objet à poser.
Oh, vraiment. Là, je sais même pas comment ça marche. J'aime bien avoir une autre ligne d'inventaire parce que j'ai l'impression qu'il est laissé trop vide. J'ai tellement de pierres. Peut-être que je fasse des petits murets en pierre pour que ce soit plus joli. Mais on peut très bien faire tomber des morceaux de bras, des morceaux de jambes de méga robots ou des blocs Minecraft, tu vois, par exemple. On empile des blocs Minecraft. Une petite con. Tu fais une construction plate là, donc on voit de face. On pose les blocs. Oh. Ah. Tu vois? Est écrit Méga Wamien. C'est un raid. Me dit que ça reste faisable. Bon courage, Amien. Merci encore pour le raid. Du coup, comme je dis, on coupe la rediffusion. J'espère que celle-ci vous a plu, que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. On se retrouve très vite pour la suite des événements. Bref, prenez soin de vous. Je reviens, à tout de suite. Je suis paumé là, j'ai un coup de barre. A tout de suite.